sur Minecraft, commande bloc. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout simplement comment faire une zone claim, donc pour vos, que ce soit pour vos PVP factions, pour vos maps, je ne sais quoi. Et bien vous aurez des zones claim, donc voilà, donc et bien c'est parti. Donc déjà vous allez prendre un commande bloc, donc voilà, donc vous allez le poser n'importe comment. Vous allez mettre, donc je vais faire le petit plus directement, vous allez mettre slash execute. On va passer directement au sujet, au vif de la vidéo. Hop, voilà, vous allez mettre arrobase e. Hop. Entre crochets, vous allez mettre, alors vous pouvez mettre directement les deux crochets comme ça. Donc voilà, vous allez mettre type égal. Pardon, alors, excusez-moi, type égal armor send. Hop. Armor tiré du bas stand, voilà, comme ceci. Ensuite vous allez mettre virgule name, voilà, comme ceci. Et vous allez mettre égal land claim. Donc voilà, donc j'ai préféré faire ce format vidéo ce genre de vidéo sous ce format plutôt, parce que eh bien comme ça vous écrivez en même temps que moi, et ça évite que vous ayez certaines confusions au niveau des commandes. Ok, alors ensuite vous allez faire comme ceci. Vous allez mettre une vague, une vague, une vague. Vous allez faire plus loin game mode A. Arrobase A. Ensuite entre crochets, vous allez mettre, donc vous pouvez directement mettre les deux crochets comme précédemment. Vous allez mettre RM. Ah mince, attendez, c'est en décalé. RM égal 21. Donc ça sera pour une zone claim de 21. Donc ce qui est déjà pas mal. Ah non, vous allez mettre pas 21 pour le premier, c'est 20, pardon. Virgule. Hop. R égale 21, du coup, cette fois-ci. Virgule. M égale S. Donc voilà, donc vous avez fini pour le premier commande bloc. Donc voilà, regardez bien. Si vous avez... Ensuite, voilà, vous fermez, vous mettez bien en répétition toujours actif inconditionnel. Voilà. Un peu plus loin, vous faites la même chose. Enfin, vous recopiez pas la même commande, mais vous replacez un commande bloc. Donc là, vous allez commencer par mettre slash execute arrobase e. Hop. Entre crochets, type égal armor stand. Hop, voilà. Name égale land claim. Ensuite vous remettez des vagues, voilà, comme ceci. Ensuite vous allez mettre plus loin game mode S. S, voilà. Donc plus loin encore, vous allez mettre arrobase A. Ouvrez les crochets. Là, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre RM égale, hop, RM égale 21, encore une fois. Virgule R égale 22. Virgule M égale S, comme ceci. Et donc voilà. Ah mince, non, c'est pas égal S, c'est égal A, pardon. Je me suis trompé, j'ai refait comme l'autre commande. Donc voilà. Donc voilà, vous faites répétition, toujours actif, voilà. Ensuite, vous allez replacer un dernier bloc de commande, et dans celui-ci, vous allez marquer slash execute arrobase E. Mince. Arrobase E type égal armor stand. Virgule name égale land claim. Entre
comment? Entre guillemets, voilà, je cherchais le nom. Voilà, entre guillemets, comme ceci. Donc plus loin, vous allez remettre des vagues, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et plus loin, vous allez mettre slash, hop, game mode, s, arrobase, hop, arrobase, mince, un espace, ok, voilà. 1, virgule, m, égale, point d'exclamation, s. Et donc voilà. Donc maintenant vous mettez toujours actif et donc voilà. Donc ensuite ce que vous allez faire pour créer vos unclaim, vous allez prendre un porte-armure et une étiquette nominative. Donc maintenant ça s'appelle un badge, mais voilà, vous m'avez compris. Prenez l'item, vous le renommez en landclaim, comme ceci. Land claim. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, donc vous allez un peu plus loin. Hop, comme ceci. S'éloigner en volant. Voilà. On va se mettre, voilà, je sais pas, un peu plus. On va se mettre dans la prairie là-bas. Donc voilà, donc n'oubliez pas que si les vidéos vous plaisent, les vidéos command block vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me donner des idées de vidéos, des idées de commandes que je pourrais réaliser. Ok. Alors. Donc là vous faites votre maison. Voilà. Vous faites votre petite maison comme ça. Qui sera votre base. Hein. Là c'est vraiment caricature. Hein. C'est pas. Je dis pas que vous allez faire exactement cette maison, mais voilà. Donc on va prendre ça comme exemple. Donc vous mettez votre porte-armure juste là. Et land claim, vous le mettez juste là. Donc là normalement, si on a bien tapé toutes les commandes et que tout est bien quoi. Si on se met en game mode 0. Alors attendez, hop. Il faudrait que je rentre dedans. Land claim. Attendez, je crois que j'ai pas bien marqué land claim. Hop. Ben si pourtant. Hop. Attendez. Slash game mode 0. Attendez, peut-être j'ai compris ce qui est en train d'arriver. Alors attendez. Là techniquement je peux miner. Je peux miner et là techniquement si je reviens dans la zone. Ah non, ok, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Il faut mettre tout simplement un truc que j'ai oublié. Alors game mode 1. On va revenir ici juste après. Alors en fait, il faut savoir que la portée des command blocks n'est pas illimitée. Donc il peut y avoir des bugs comme ça. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement rajouter une thinking area. Donc je vais mettre une petite thinking area. Pour ceux qui ne connaissent pas les thinking area, je ferai un tuto dessus. Donc ouais, donc bon, restez bien abonnés à. Aria add circle hop. Tac tac tac, on va mettre 3 et on va l'appeler test. Voilà, donc là normalement si je dis pas de bêtises, alors attendez, ce qu'on peut faire c'est directement renommer le porte-armure au pire, hop, comme ceci, land claim. Hop. Land claim, hop, comme ceci. Attends, je regarde si au passage j'ai bien écrit land claim et land claim. Ouais, à ce niveau-là, ça a l'air bon. Ok. Alors du coup, on va repartir et on va re-aller à notre maison qui se situe tout là-bas. On peut la voir. Un ok, on va passer par là. On peut la voir là-bas. Ok. C'est parti. Petit fail. Normalement ça devrait marcher, hein. J'ai fait des tests au préalable. Si ça marche pas en vidéo, ben, j'aurai le seum, mais je vous assure que normalement c'est censé marcher. Ok, alors. Game mode 0. Voilà. Donc là vous pouvez voir que ça a bien marché. Donc la zone est claim, donc je peux rien casser. Donc voilà, donc le tuto a bien fonctionné comme vous pouvez le voir. Petit fail de ma part au début. Donc voilà. Donc là je peux rien casser, hein. Vous pouvez voir, là je peux vraiment rien casser. Ah si, je peux taper les cochons quand même, mais voilà, vous n'allez pas faire une base dans un cochon à ce que je sache, mais voilà donc.
petite unclaim. Donc vous pouvez voir, je vais me remettre en game mode 0, hein. Je suis bien en game mode 0 quoi. Mais voilà. Game mode 0. Et donc voilà. Donc attendez, faut que je me rééloigne et que je revienne. Hop. Donc voilà. Donc vous pouvez bien voir que je suis bien. Je suis bien. Enfin, la zone est bien claim du coup. Donc voilà, donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à tous vos potes, à vos potes qui veulent créer pourquoi pas des serveurs, ou même s'ils jouent à Minecraft, ça pourrait leur être utile. Oula. Ok, donc on va refaire un test, hein, vous allez voir, pour prouver que c'est pas du fake. Donc là, vous voyez, alors attendez, vous voyez, je peux casser ce bloc, je vais poser une zone claim, donc je m'éloigne. Parce que si on est dans la zone claim, c'est ça qui est bien en fait, c'est que si on est dans la zone claim, eh bien, on ne perçoit pas les. Ah, quoique. Ah, ici, ça n'a pas marché. Ouais, donc je crois qu'il faut bien renommer la vidéo et. Attendez. Si je finis sur ça, là, ça le fait pas. Attendez. Moi, je voulais vous montrer un dernier test. Hop. Land. Claim. Du coup, la vidéo est un peu longue, peut-être, mais au moins, vous saurez faire des land claim, quoi. Du coup, voilà. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Voilà, donc vous mettez en game mode 0, donc voilà, là je peux casser tout ça. Donc voilà, donc je peux tout casser, vous pouvez voir. Donc voilà, on s'éloigne, on va aller juste ici. On va dire que ce point c'est notre base. Hop, voilà. Je vais poser la land claim et je vais m'éloigner. Du coup, comme je vous ai dit précédemment, faut s'éloigner. Alors j'espère que ça a marché. Alors attendez, parce qu'en fait, ouais, faut bien renommer. Du coup, si vous renommez pas les. Du coup, c'est parfait parce que ça vous montre les erreurs qu'on peut faire avec cette manipulation. Donc voilà, vous voyez, il faut bien renommer avec les badges. Du coup, voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et surtout à partager la vidéo. Voilà, donc moi je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.